vous faire une confidence. On est 30. 30? Vous êtes 32. Ça dépend parce qu'il y a un truc que j'utilise qui me met qu'on est 31, un autre qui me met qu'on est 30, donc je vais dire 30, je ne vais pas abuser, donc on va dire qu'on est 30. J'ai fait un screen qui normalement apparaîtra en début de vidéo, que j'ai bien 30 abonnés, voilà. Parce que la dernière fois, heureusement que j'ai mis un screen dans la vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui s'est désabonné juste après la sortie de cette vidéo là. Peut-être parce qu'il me vend, tout simplement, je ne veux pas être pessimiste. Voilà, donc on est enfin 30. 30 abonnés. Enfin, vous êtes 30. Vous êtes gentil. Je t'aime bien, toi. On a fait 3293 vues au moment où je vous parle, ce qui veut dire bientôt la vidéo des 3500 vues. J'aurais peut-être même pu attendre les 3500 pour faire cette vidéo que je suis en train de tourner. J'oserais donc vous dire que il n'y a pas longtemps j'ai critiqué Lake Bottom, Fresh, le Dark End of the Weekend, Macabro, j'ai fait mon bilan de film de genre février 2022. Il y a des gens qui ont apprécié, une personne avec qui je parle sur Instagram qui a apprécié, une personne dans les commentaires YouTube qui a apprécié. Donc voilà, je vérifie quand même que je vous dis pas de bêtises. Hein. Oh ouais, il y a quelqu'un qui a mis que c'était super intéressant. Et voilà. Et qu'il vous verrait quelques films que j'ai conseillés, donc voilà. Il y a des petites critiques de films, voilà, mais je vous propose de parler des vidéos les plus vues. Parce que oui, Prorecteur Reminai est ma vidéo la plus vue avec 98 vues. Ma première vidéo la plus vue, il a dépassé Candisha. Une vidéo qui a possiblement dépassé Candisha, je vous laisse deviner, bah c'est la critique d'After Blue Paradisal. Pour ceux qui suivent bien ma chaîne, vous le savez, After Blue Paradisal, c'est possiblement la révolte de Candisha. Après, il y a Encanto, la fantastique femme Madrigal, en attendant Bojangles, sa critique de Les Baudins, critique de Barbac, critique de Madden Collins, critique de Bacnor, critique de Les Fantasques, critique de El Paramo qui a atteint les 40 vues, enfin. Après, si on veut aller un peu plus long, ma réaction à l'abondance d'Ego par Hantoja Ching, 29 vues. Ouais, alors ma vidéo. Alors, dans mes vidéos, les moins vues, des plus. Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas, par exemple, là, on va sortir une critique au hasard. Bah, la critique des SOS Fantômes, l'héritage, 12 vues. Ouais, très bien, très bien, très bien. Et ma critique de Lem, mon film préféré de. Ah non. Ma critique de Lem, mon film préféré de l'année dernière, 18 vues. Tout autant que la réaction à l'affiche Taser de Lem. Je vous proposerai alors désormais bah, de faire un point sur ce que je pense moi, de ma chaîne. Et ce qui arrive. Parce qu'il n'y a rien, je fais pas de gros projets, hein, je vous mens pas. Hein. Moi c'est des critiques, hein, c'est tout le principal de la chaîne. Sinon qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis en train de préparer des vidéos, mais pour la fin d'année. Bah, parce qu'en fait ça, j'écris la vidéo tout au fur et à mesure de l'année. C'est les films de genre d'Amérique du Sud en 2022, les films de genre scandinaves en 2022. Ce qui fait que bah, je suis obligée d'attendre la fin de l'année pour le faire, quoi, donc j'écris petit à petit. Bah voilà, moi je pense que l'avenir bah, ce sera surtout des critiques. Enfin, des critiques, des critiques, des critiques. Rien de plus, rien de moins. Des critiques et c'est tout. Il y aura toujours les formats normalement de ceux que j'ai vus cette semaine. Qui est très intéressant, que je tourne demain, parce que je tourne le 6 mars 2022, au moment où je vous parle, donc un dimanche. Voilà, j'ai un compte Letterboxd maintenant, Letterboxd Pro. Voilà, pour avoir des stats en fait sur les statistiques, sur ce que je note, sur les films que je vois le plus, mes acteurs que je vois le plus. Troy James, c'est l'acteur que je vois le plus. Vous savez, celui qui joue les monstres dans Scary Story, Fanning for Jackson, The Other Side, Separation de William Brandbell. Je crois qu'on les a tous les quatre critiqués, je suis pas sûre à 100%. Peut-être pas Scary Stories, ouais. Je crois qu'on a fait un VS de Scary Stories, par contre. D'ailleurs, faudrait que je reprenne les VS. Ouais, bon, je suis en train de m'embourber dans je ne sais quoi là. Je continue, je parle. Donc, bah, allez, on va se dire ciao, hein. C'était Marthe Méga, vous l'aurez compris, bah, 30 abonnés, je suis trop contente, quoi. Je m'y attendais pas, moi, dans ma tête, quand j'ai commencé la chaîne, je me dis, je vais avoir 5 abonnés, 6. Vous êtes là, quoi. Ciao. C'était moi, Toméga. Prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi.